Et bonjour à toutes et à tous, et bienvenue dans ce nouvel épisode de Company of Heroes 3. On se retrouve toujours sur la campagne italienne, évidemment, sur la map tactique. Alors, ouais, petite chose que je me suis rendu compte, tout bêtement, c'est qu'effectivement, je viens de me rendre compte que les points de talent, ce qui semble finalement logique, hein, mais bon, pas mal d'informations, pas mal d'infos hein, depuis que je joue au jeu, donc dur de tout assimiler encore. En fait, que les talents que j'ai améliorés sur cette artillerie indienne. Ne sont valables que pour elle, hein. C'est-à-dire que voilà qu'ils aient le cri de guerre, observateur avancé, la bravoure, c'est vraiment que quand je fais une escarmouche avec cette compagnie, parce que là j'en ai recruté une autre, et on voit bien qu'elle est niveau de talent 1. Donc rien à voir, du coup elle repart à zéro, elle n'a pas les bonus de départ, etc. Bon, si elle en a un ou deux quand même, mais elle n'a pas tout le reste, donc. Effectivement, faut faire attention. Tout comme eux, je viens de me rendre compte qu'ils ont deux points de talent. Et ils n'ont pas les mêmes choses, évidemment, parce que ce n'est pas la même faction. Donc, du coup, ouais, alors c'est vrai qu'on avait le véhicule de reconnaissance. Ça veut dire quoi ça? Il commence direct, améliore le 1 qui arrive avec un canon anti-char remorqué. Ah oui, je dis oui, ça. Et eux, diable dissimulé, la section complète reste camouflée à couvert et hors combat. Ah, ça, c'est bien ça. Allez, hop, on va prendre ces deux-là. Bon, j'ai pas regardé ce qu'il y avait en amélioration ici, puis les unités, ok. Donc ça va dépendre avec qui on fait du combat, on n'aura pas les mêmes choses. Ok, donc ça c'est déjà plus intéressant. Donc. Ensuite, ça c'est quoi? Les points de mouvement, eux ils en ont plus, eux ils en ont, eux ils n'en ont pas. Et ben on va essayer d'envoyer eux sur Campania. Donc ils ont reçu des dégâts pour de matériel. Ok. On va les soigner. Hein. Est-ce que je peux? Ah oui, c'est plutôt réparer alors. Ok, et on finit le tour. Bien qu'on fasse gagner de l'expérience à nos autres unités. Oui, bah doucement, hein. C'est le point d'appui, ok. Parce que là, ouais, aller sur Rome directement. Je sais même pas où est Rome d'ailleurs. Plus haut, je pense. Moi j'aimerais bien sécuriser tout ça, donc je vais plutôt foncer sur Potenza. C'est plutôt mon objectif. Et chacun peut avoir sa vision, hein. Moi c'est la mienne. Avec eux, on va en compagnie on débloquer des détachements. Compris. Vous pouvez acheter des détachements pour obtenir de nouvelles compétences et améliore la résolution automatique d'une compagnie. Certains. Détachement débloque la compétence permettant de construire des emplacements statiques tels que des obusiers, des canons tirés, des caches de ravitaillement. Ok, c'est ça les emplacements. Débloque le détachement d'obusiers. Ok. Détachement de soldats débloque compétence cernée, la cible. Le détachement anti-aérien. Ok. Peut-être l'obusier. Et après on peut le dissoudre. Ça c'est pour ajouter en... Ok, d'accord. J'essaye de, hein, de comprendre un petit peu. Détachement logistique permet la construction de la cage de ravitaillement qui assure le ravitaillement des compagnies et des emplacements à proximité. Cette compétence cerner la cible qui mobilise une compagnie ennemie, c'est pas mal ça. Et on va leur prendre ça. C'est des actions, hein, du coup, on est d'accord, qui vont nous servir sur la carte. Ouais, d'accord, faut vraiment distinguer les deux. Hein. Parce que moi, pour moi, c'est un jeu de stratégie, donc je reste pensé sur la carte, enfin sur la partie escarmouche, mais là, on parle pas de ça en fait. Hein. On parle vraiment de la partie map. C'est vraiment ça. Et si je veux cibler une zone avec la partie obusier, on a une distance. Ouais, on a une distance certaine quand même. Bon, eux, je vais les envoyer par là. Eux, j'hésite franchement à venir les envoyer en soutien là. Après, j'ai. Bah, Salerne est quand même un peu défendu. Ça va. On va plutôt les rejoindre. Je sais pas si on peut faire des combats avec les deux compagnies en même temps. Vous me direz que là, je pense que ça va se faire en auto. Ouais, voilà. Pas là par contre. D'ailleurs, c'est marqué mission au-dessus.
Très bien. On va les soigner du coup, eux. Il y a pas mal de points quand même, hein, j'ai l'impression, donc ça a l'air d'être pas mal. On peut pas recruter parce qu'on a atteint de toute façon la limite de notre population. Au moins l'ennemi est plutôt calme, mais bon, ça va peut-être pas durer. Hein. Je pense que plus on va avancer. L'appel de détresse, ok. Bah ça tombe bien, on va dans cette direction. Trois tours restants, ok. On va tâcher de le faire, mais je ne sais pas trop. Ok. Ok, on a repéré l'appel de détresse. Sir, it appears some of the locals have been pinned down by German forces. Oui, on va y aller. Commander, my name is Eleonora Valenti, and I speak for the local partisan resistance groups. German troops are attacking a nearby town, and partisan defenders are being overwhelmed. We need allied help. Ok, bah c'est parti. Je pensais que j'aurais un peu plus le temps de voir ce qu'il allait m'arriver, mais non. Looks like the locals could do with a hand. Ah oui, bah là oui, ils sont un peu dans la merde, effectivement. Alright men, partisans are in that town. A couple of our squads have already started up the hill. We'll join them closer to the top. Engineers looking for trouble. Ouais, bah on va tâcher de faire ça. Hein. Bazooka là-bas, ok, très bien. Ok, on se calme, il y a du monde ici. Ok, il y a un tireur d'élite là-bas, ça va nous aider. Allez, un petit coup de lance-flamme là-dedans. On a du temps en haut. Hein. Demandez des paras. Ok. On va peut-être attendre un peu. Ah oui, bah le tireur d'élite, je le prends par contre. Oui, ça c'est pas une mauvaise chose. Ouvrir des brèches aussi. Hop, une grenade, vite. Et on va envoyer les paras. Je les mets un peu au sacrifice, hein, j'avoue, les sapeurs. Merde, je vais peut-être les perdre par contre, faut que je me barre. Repli, 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 repli. Bon les gars, hein. Infantry reporting in.
Putain, il y a une mitraillette là-bas. Ok, vite, il faut les déloger. On va vite envoyer du sticky bomb là-dessus. Allez les gars. Oh c'est chiant ça par contre. Mais non. Ok ok on fuit on se barre. Oh c'est chiant qu'ils puissent pas escalader juste là quoi. Oui forcément là ça nous met un peu dans le caca. Hein. Pas vous le cacher. On va replier tout le monde. Attendez pas à ça en fait. Hein. Putain, c'est un tir d'élite, hein? Ouais, je sais pas, mais en tout cas, il est plus là. Une fois débarrassé de cela, je vais passer sur le côté et je pense que je pourrais aller mettre du lance-flamme dessus. Ok. Allons faire tout drôle ça. Voilà. Parfait. Allez, let's go. Ouais, mon petit tireur d'élite par contre. Non, pas les deux. Oh là 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 là. MG, waiting on you. Get set to redeploy. Word, sir. All right, fellas, we're falling back. Ok, toi tu redescends là, toi tu ressors. Ok, voilà, il y a de quoi faire. Hein. Déjà, je serais bien chaud que le sniper là. Vas-y, brûle-les. Parfait. Qu'est-ce qui s'est passé là-dedans? Je comprends pas trop là. Ouais, le sniper il fait le taf hein. Engineers exposed! We're pinned down! Grab your cat!
Allez les gars, faut sortir. Oulala, 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 oulala. Go, 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 on s'en va. Il y a du monde par là. Hop. Et hop. Déjà, faites ça, vous. Ok, le sniper, on va le faire sortir. On va le mettre par là. Ok, la mitraille est tombée. Parfait. Ok, on a du monde là. Contre-attaque. Ok, alors. On va se calmer hein, par contre, parce que voilà. Vous, vous vous renforcez. Et vous allez venir. Parce que je suppose qu'ils vont arriver de là-bas. Il va falloir couvrir. Ouais, il y a deux points à couvrir en principaux. Vous allez venir de là. Tireur d'élite, elle va venir ici. L'autre tireur d'élite va aller là, je pense. Ensuite, eux, ils ont quoi? De la grenade incendiaire, du camouflage. Ok, donc ils vont se mettre en mode camouflage et ils vont venir là-dedans. Eux, c'est de la même avec la charge explosive anti-char. Ok. Donc là, et on va les foutre ici. L'unité de mitrailleuse principale, bah, elle va venir se mettre. Ah, c'est dur à dire, un bon point là. Je pense ici. Pas le premier, le deuxième, voilà. Cette zone là. Qui on a? Ok, donc ceux qui ont des poses à côté, ça veut dire qu'on leur a demandé de faire quelque chose. Ok, eux c'est des saboteurs, et ben ils vont venir ici. Et on verra bien ce que ça donne. Eux, ouais, on va leur activer quand même ça, la section de commando. On se met par là, à couvert. Eux, c'est bon. Bah, toi, t'es un peu seul. Alors, on a combien limite de population? Ouais, je pense que tu pourras pas faire beaucoup mieux. On va voir après. Ça, c'est fait. La section de parachutistes, il reste qu'un mec. Ah, mais tout le monde va pas pouvoir... Ah, on a ça aussi débloqué. Capture rapide, libération de territoire... D'ailleurs, j'ai pas vu s'il y en a qui peuvent débloquer des trucs, pardon. Rien de terrain urbain, ok. Bon, on va voir pour elle après. Donc, qu'est-ce qu'ils ont? Allumé le tir de longue salve soutenu avec le lance-flamme sur la position ciblée. Ok, c'est pas mal ça. Et ensuite, eux, ils vont venir, ils vont rester à peu près au milieu. On verra où on a besoin d'eux. Quant à eux, il faut qu'ils se mettent dans ce bâtiment.
On va déjà enlever la pause. On va voir ce que ça donne. Ah non, eux, ils étaient partis pour aller prendre ce point là, c'est vrai. Pas l'air d'avoir d'allemand ici. Ennemi. Ouais, c'est pas tout à fait ça que je voulais. Je vais lui demander de venir là et d'observer au loin si elle peut. Ok, ils sont là, ils sont là, ils sont là, ils sont là. Ouais, voilà, abalé comme ça. Non mais fuis par contre. Comment ils les ont vus? C'est bon. D'accord. Non, stop. Eh bien, c'est bien la pose tactique, mais c'est un peu gênant des fois. Alors, eux, j'avais pas vu qu'il y a une autre mitraillette ici. Éliminer des sections essentielles pour forcer le repli. Ok. Panzerschreck, ouais. Tiens, bah toi, prends le Panzerschreck. Ok, let's go. Grenade incendiaire, ils vont se planquer là. Ok, il y a du véhicule qui arrive. Alors, ça vous arrêtez. Et vous me balancez une grenade là-dessus. Et après vous barrez. Oh, qui m'énerve le gros truc à fil d'attente tactique en gros là. Ok, eux c'est fait. Vous allez venir par là. Vous venez au lance-flamme là-dessus. Vous vous repliez. Vous. Où est-ce qu'ils sont? C'est eux qui ont les lampes bazooka. Voilà, bah vous allumez ça.
Pour moi, c'est pas mal. Ensuite, ok, donc là ça va arriver. Donc vous barrez par là. Toi tu viens là. Vous vous venez là. Et vous engagez lui. Non, enfin non, pour moi vous engagez rien du tout. Vous, putain, je vous ai dit de barrer. Ouh. Hop. Ok, toi t'allumes ça. Et vous allumez ça aussi. Parfait. Ici tout va bien. On va voir pour la suite. On ne devrait pas avoir beaucoup le temps d'utiliser leur lance-flamme. Hein. Ici tout va bien. Bon, des bazookas ou des trucs comme ça, ouais ouais. On va les faire avancer un peu. Non. Qu'est-ce que j'ai lancé de couteau? Pas mal. Charge d'étonnade à retardement. Non, non. On va rester comme ça pour le moment. Jusqu'ici tout va bien. Ça se passe. Ah, ok. Regarde un petit peu hein, comment je peux bien faire ça. Ok, et on a un blindé par ici. Tearing through us!
Attends, une petite seconde. Ok, on reprend, tout va bien. Donc là, il y a une grenade dans ce bâtiment, donc on sort et on se barre là-bas. Et vous, vous sortez aussi. Ah, y'a battez-les là. Parfait. On se retourne au cas où. Est-ce qu'on peut le renforcer lui? Non. Ok, jusqu'ici tout va bien. Ok, alors là on a un problème. On va balancer du fumigène à gogo. Faut le poursuivre hein. Nickel, on l'a eu. Ouh. Bon bah voilà. Sympa, j'aime bien des petites missions de défense comme ça. Voilà. Victoire. Oui, pour regarder où en est l'épisode. Ça va, il est pas si long que ça. Je pensais qu'il était plus long. Thank you for your help, Commander. Our own operations must remain a priority, but I've asked the local partisan groups to assist your forces wherever they can. On a reçu apparemment des patriotes aussi. On va voir comment ça se matérialise. Là, je pense que zone de surveillance tourne, nos compagnies en présence de zone de contrôle. Les ennemis ne peuvent pas tracer zone de contrôle à l'ennemi et les compagnies peuvent même pas tracer. Ouais, c'est ça. Blindé explosif, infanterie, arme légère.
Donc si je comprends bien, on peut leur faire un petit barrage là. Et donc leur faire du mal. Ah, on est trop près. Ok. C'est un peu logique, effectivement. Non, c'était pas ça que je voulais faire. Je voulais pas du tout faire ça. Ok, on peut construire des emplacements et tout, j'avais pas vu tout ça. Non, je le désactive ça. Parce qu'en face, ça, ils ont l'air d'être costauds quand même. Hein. Bon. Oui, bah alors patrouille, bah oui, bah j'ai pas fait exprès. J'ai pas à cliquer sur ça. Et je sais même pas comment on le désactive. Hein. Je peux pas me mettre en patrouille, bon sang. Ah, ça m'énerve, tiens. Bon bah. Je vais mettre fin au tour parce que je comprends rien. Ok, donc eux ils s'en vont, très bien. Sir, the landing at Taranto is progressing well. We should endeavor to create a cohesive front line by meeting our forces at Berry. Ok, un deuxième front. Or we could meet them in Rome, that being our actual goal and all. Les forces alliées à Barry. Oui, bah on n'y est pas encore. Hein. Parce que ça, c'est pas moi qui le contrôle. Non, ça non plus. Ouais, faut aller jusqu'à là-bas. Bah ouais, mais on n'est pas arrivé. Hein. Je suis pas à Potenza, je suis déjà pas. Doucement quoi. Alors. Je fais un petit survol de reconnaissance dans le coin, je sais pas si c'est vraiment la peine. Hein. En revanche, on va se faire une petite réparation et on va envoyer eux s'occuper de Montebella. Qui on a dû mécaniser en face. Ah, donc ils sont là eux. Je comprends bien. On va voir. On va lancer ça là, je vais mettre fin à l'épisode. Get ready for a fight. The crowds aren't going to like seeing us here. Il a la tremblote lui. Ok, donc ils ont de l'obusier déjà. Brass are looking to move supplies through this area, but the crowds have other plans. They've fortified the crossroads and brought in heavy armor to stop us. That's why you're here. We need you to clear out their bunkers and artillery to open up the crossroads. They'll have heavy armor protecting the major roads, so you'll have to deal with that too. Those tanks are going to be a problem, but you need to secure this area if we're all going to make it home before Christmas. All right, Corporal Conti, over to you. Avec l'infanterie, ça peut se faire. Avec du blindé, ça va peut-être un peu plus compliqué. Ok. Looks like the crowds have dug in deep. They must
Ok, donc ça c'est la limite de carte, c'est bon, ce que je voulais voir. Sur la défense ennemie. Ok, et ben on se retrouvera pour cette mission lors du prochain épisode. Merci de m'avoir regardé, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me donner des petits commentaires ou des petits pouces bleus, je prends toujours. Et je vous dis à très vite pour la suite. Bye bye, merci.